téléspectateurs, MTN vous permet de mieux découvrir et apprécier vos candidates dans leur univers. Candidate numéro 15. Je suis Jennifer Yeo, j'ai 18 ans. Je suis en première année BTS de finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Je suis originaire du Nord. J'ai deux frères et une sœur. Le concours Miss Côte d'Ivoire est pour moi un rêve d'enfant. Mes parents, mes amis, mes proches m'ont beaucoup motivée à me présenter. Aussi parce que je pense correspondre à un idéal de beauté, d'intelligence auquel les jeunes sœurs de ma génération pourront s'identifier. Également parce que je pense porter tout haut les couleurs de mon pays, de sa culture régionale, nationale, au niveau international. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire 2014 au soir du 7 juin, ce qui est tout le mal que je me souhaite, j'aimerais lutter pour la cause des enfants. Orphelins, malades et internés en pédiatrie, malades et orphelins du sida. Et aussi, je pense créer un centre d'accueil aux orphelins et aux enfants qui traînent dans la rue. Je suis Yeo Jennifer, Miss Ossa-Sandra 2014. Si vous voulez que je sois élue Miss Côte d'Ivoire, votez pour moi en envoyant Miss 15 au 98 000. Candidate numéro 16. Je suis Juliette Ouattara, j'ai 18 ans et je suis en classe première. Je représente la région du Béké, c'est-à-dire Boaké. J'ai 4 sœurs. Si je suis élue Miss Côte d'Ivoire 2014 au soir du 7 juin, j'aimerais lutter contre la cybercriminalité parce que je constate que c'est un fléau qui a pris de plus en plus de l'ampleur en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et nos jeunes frères s'adonnent à ce genre de pratiques tout en laissant leurs études. Donc j'aimerais bien lutter contre ces fléaux. Miss Côte d'Ivoire est tout pour moi d'abord un rêve d'enfance et étant donné que j'ai les atouts pour pouvoir me présenter à ce concours, avec l'encouragement de mes parents et de mes proches, j'ai bien voulu me présenter à ce concours pour tenter ma chance. Population de la Côte d'Ivoire, population de la région du Béké, je vous incite à voter massivement pour moi en envoyant Miss 16 au 98 000. Je vous remercie. Candidate numéro 17. Je me nomme Mélissa Kwasi, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de droit et je suis issue d'une famille de 3 enfants dont je suis la cadette. Mon plat préféré, c'est le foutou banane avec la sauce graine. Pendant mon temps libre, j'aime lire et passer du temps en famille. Je me suis présentée à Miss Côte d'Ivoire tout simplement parce que c'est une compétition qui enseigne plusieurs vertus telles que la convivialité, le vivre ensemble et surtout l'amour du prochain. Au soir du 7 juin, si je suis élue Miss Côte d'Ivoire, ma couronne sera un symbole d'unité et de paix entre toutes les filles et fils de ce pays. Aussi, j'apporterai mon aide aux enfants démunis et je m'impliquerai dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Je suis Mélissa Kwasi. Je demande à la population de voter pour moi en envoyant Miss 17 au 98 000. Candidate numéro 18. Je suis Mademoiselle Kragbe Cynthia, étudiante en première année sociologie. J'ai 20 ans. Je suis d'origine Krou, issue d'une famille de 2 enfants dont je suis l'aînée. Ça a toujours été pour moi un rêve de participer un jour au concours Miss Côte d'Ivoire. Et cette année 2014 est pour moi l'année de maturité où je pense avoir les capacités requises pour me présenter à ce prestigieux concours. Au soir du 7 juin, si je suis élue sacrée Miss Côte d'Ivoire 2014, mon combat portera sur les enfants démunis. Étant sportive de haut niveau, je compte créer un institut de sport et études pour ces enfants-là. Je suis Mademoiselle Kragbe Cynthia. Votez pour moi en envoyant Miss 18 au 98 000. Merci. MTN, everywhere you go.